crois que j'avais rien à cocher, on est d'accord, hein, c'est bon, on laisse tout comme ça là. Allez, on y go. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette petite map au petit spawn? Si je spawn sur un boss, on est bien comme il faut par contre, hein, parce que Matt m'a dit que c'était possible là, donc on va voir. Merci WizzyTime pour le subgift, merci Zuxedus 2. Ça fait plaisir, hein. Ça régale. Bon, je vais remettre la musique en attendant parce que bon, là, ça veut pas trop, ça galère un peu à se générer, quoi. Ouais, le petit arame du nouvel an. Non, mais c'est la petite survie du nouvel an. Oh, 1%, 2%, les gars. Hein. Peut-être que d'ici 21h, on pourra jouer, peut-être, éventuellement. Non, c'est bon. Parfait. Let's go, ça fait plaisir. Je crois que je le savais, ça, Renard Orange, ce que t'as dit dans le chat. Ça me dit quelque chose. Je crois que je le savais, ça. Je l'avais déjà appris, il me semble, ce truc-là que tu m'as dit. Ok, bon, ça lance ou quoi? Et on a le temps de discuter 500 ans avant que la map se lance, hein, par contre. Hein. Il y aura bien évidemment des rediffs qui seront postés sur YouTube, bien sûr, pour ceux qui peuvent pas regarder. Hein. Quel team tu comptes faire pour le prochain? Quel team? Quel thème? Ah, quel thème? Oh, ok, le thème du modpack. Hein. Oh, regardez! Alors, attendez, on va attendre que la map se génère un petit peu. Hein. On va attendre un tout petit peu, là, parce que vous voyez, regardez, en haut à droite, il y a un truc qui se génère. Là, c'est beau. Oh, c'est joli, quand même. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Mais comment c'est magnifique. Regardez-moi, avec ces petits shaders et tout. OMG, on est bien. Alors, par contre, je sais pas comment on vire ce truc-là. Voilà, parfait. Nickel. Hein. Je voulais pas quitter, je voulais aller dans options, bordel. Je voulais pas quitter. c'est beau purée, c'est beau, je voulais pas quitter la map, voilà, c'est une énorme erreur bien sûr, MDR, ça commence bien. Et voilà, c'est déjà fini, et ben on va passer au mode pack suivant, ça régale, ça fait plaisir. C'est quoi les shaders? C'est les complémentarise shaders normalement, attends je sais pas où c'est, shader pack, complémentarise shader version 4.7.1, si tu vous souhaites un petit peu voir ça. Je vais juste mettre mon petit ventilo avant, hein, quand même. Voilà. Histoire qu'on commence bien quand même, hein, on va pas se mentir. Je viens d'arriver, t'as commencé quand? À l'instant, Régic, je viens de générer la map à l'instant, donc dis-toi. C'est de toute beauté, mange du pain, c'est important, et des cornichons. Moi j'aime pas les cornichons, donc au moins comme ça, le problème est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, regardez, avec quoi on commence? On commence avec un petit quest book, on commence avec rien de plus, on voit qu'il y a... Alors déjà, je peux m'accroupir comme ça, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais on va voir. Par contre, on commence en bord de map là, donc... par contre, c'est magnifique, hein, par contre, hein. C'est vraiment beau, avec le shader, ça rend vraiment super bien. On a un petit ressource pack, vous avez vu, qui est intégré directement, qui est littéralement pas obligatoire, mais en tout cas, je l'ai vu de partout. Ok. Alors par contre, ouais, il y a pas mal de nouveaux modes, etc. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. En fait, regardez pourquoi j'ai mis ma caméra un petit peu en dessous, c'est parce que vous voyez, quand je pointe un bloc, ça met le nom au-dessus. Donc voilà, je voulais pas vous cacher toutes les informations. Ok. Ah, on a deux... Ok, donc ça, c'est un minerai de fer, mais dans le basalte, quoi. Ok. Alors du coup, oui, alors la particularité de ce modpack, ce qui est cool, c'est qu'en fait on a plein de quêtes aussi. Donc là vous voyez, j'ai mon livre de quêtes, et quand je l'ouvre en fait, Welcome to Better MC, to start the tutorial, click on this quest, and read the description. Et en fait en gros, bah vous voyez, si je coche par exemple cette task là qui est la première quête, en gros j'ai des récompenses. Et en fait du coup, normalement, voilà, ça nous a débloqué pas mal de trucs à faire. Ouais, alors j'ai pas tout compris, mais en gros dans l'idée c'est ça. Ah, j'ai fait crash le truc ou quoi là? Non, c'est bon, ok. Mais en gros, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de quêtes à débloquer, donc ça c'est super cool, et c'est pour ça que je voulais faire aussi ce modpack, c'est qu'en soit ça nous apporte des trucs à faire sur le jeu. Et voilà, l'accent anglais, yes. Pourquoi on m'a dit de me mettre en F3? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce délire, hein. On va pas se mettre en F3, je crois, hein. Eh ben, c'est un écran d'ingénieur, ça, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, c'est sympa. Mon cerveau comprend rien. Après là pour l'instant il y a rien à comprendre. Là on est sur Minecraft, on vient de générer la map, là il y a rien à comprendre, quoi. Bon, c'est parti. Moi je pense qu'on va commencer à faire un petit peu d'exploration. On va commencer cette petite série, on va aller se balader tranquillou. On va explorer un petit peu. Je pense que trouver un village ou un truc comme ça pour débuter, ça peut être pas mal, parce que j'avoue que j'ai aucune idée de la difficulté du mode, etc. Je sais pas si c'est considéré comme un mode pack difficile ou pas. Mais voilà, tu peux enlever les shaders pour voir 2 secondes. Ouais, si tu veux, vas-y. Je peux les enlever éventuellement pour voir 2 secondes, regardez. Hop. Bon, ça reste beau quand même, mais bon, c'est vrai que les shaders, ça apporte vraiment quelque chose au jeu quand même. Hein. On va pas se mentir. Moi, de toute façon, je trouve que Minecraft sans shader, maintenant, c'est un peu plus moche quand même. Donc voilà. Alors. Mais le charme, c'est comme un totem. Ah, fais voir. Merci pour ce charme de Twilight Forest. Ok, donc tu le mets là, c'est ça? Ou tu peux le mettre à un autre emplacement ou quelque chose comme ça? Ça se met genre là comme un totem, ou ça... Comment ça fonctionne? On n'a pas d'explication sur les charmes, en réalité. Merci. Je sais pas exactement. En haut à gauche, hein. Ah là! Ok. Ah oui, les charmes ici. Ok, effectivement. Du coup, on a des slots pour les charmes. Et en fait, du coup, ça sert à quoi ce charme là que j'ai là? À quoi ça va me servir exactement? C'est ça la grande question. Parce que moi, je découvre. Hein, c'est l'occasion en même temps de faire des. Pour la première fois, du modé dans ma vie. Donc, on en profite pour tout découvrir. Bon, on va quand même se méfier parce qu'on est un peu en hardcore. Donc, on va essayer de pas clamser quand même. Il y a une maison devant toi. Je l'ai vu, ouais. Je vais juste me faire mes premiers outils. Puis après, on va aller se balader, quoi.
Donc ouais, fini les quêtes, c'est encore le tuto. Ah, my bad. Attendez, je vais finir ça, ouais. Je vais finir ça juste après. Merci Amneror, merci Tomsko. Merci Ryzox aussi. Petite idée, même si je crois que ça a déjà été fait, qu'offrir une survie hardcore avec ou sans mode, mais avec Twitch Interact, ça pourrait être pas mal. Mais vous savez que je vais mourir au bout de une heure. Ça, vous voulez très bien que je fasse ça pour me faire crever, quoi. Merci ETR Tintin pour ton Prime et Ituno pour les 4 mois de sub. Ça fait plaisir. Merci également à Mix. Ça régale. Si tu meurs, tu régènes 3 coeurs et meurs pas. Ok. Ouais, donc en gros, c'est comme un totem en fait. Pas d'immunité, mais un totem de résurrection dans Minecraft. Ok, bah c'est pas mal en vrai. Ça nous permet de, au cas où, en début de survie, ça peut être sympa, quoi. Bon, dans l'idée, ça serait bien qu'on évite de clamser tout de suite, mais bon. Oh, vous avez vu, c'est super sympa, regardez quand je craft. Hein. L'item, il apparaît. Alors, attends, on l'a mal vu, je crois, mais... Je crois que... Oh, regardez, ça apparaît là. C'est trop beau. Ça apparaît au-dessus, ce qu'on est en train de faire. Non, c'est incroyable. Ça, c'est du détail, mais en vrai, le détail est vraiment plaisant. Hein. Juste le détail est trop adorable. Hein. Bon, déjà, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est finir, du coup, les quêtes. Alors, tu m'as dit... Mais du coup, ça c'est encore le tuto, tout ça, là, du coup? Ok, parce que là, du coup, c'est ça. Read my description. Ok. Oui, les tâches sont des choses qui nécessitent d'être faites pour compléter une quête. D'accord. Oui, et du coup... Ah, il me faut un pain pour finir, du coup? Attends, si j'ai bien compris. Attends, j'ai pas compris. Ouais, c'est ça l'idée. Donc là, il faudrait que je crafte un pain pour me faire pour finir la quête, c'est ça l'idée. Non? Non? Ou j'ai pas compris. Oui, c'est ça, on est d'accord. OK. Parce que si tu regardes les autres quêtes, oui, voilà, il me fallait ça mais je l'avais quand même encore. OK. Et ça pareil, ça doit être encore le tuto. OK. Tutoriel complete. OK. Le tuto est maintenant terminé pour voir le reste des quêtes. Nanana. Mettez votre curseur sur la gauche de l'écran et appuyez sur le quest group. Ok, ça m'a donné plein de choses du coup. Ok, ça m'a donné plein d'items. Et ça, c'est toutes les quêtes que t'as à faire du coup dans le monde normal. Je suppose en gros, t'as plein de dimensions. Oh, c'est quoi toutes ces dimensions? Everbright. Ah, vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra devant, mais on a Land, Otherside. Oh, ça a l'air sympa quand même tout ça. Hein. Ouais, ok. Et du coup, ça, c'est les quêtes principales maintenant. C'est ça l'idée. Ok. C'est quoi tous les trucs que j'ai eu? Biomepedia, je suppose, c'est pour m'expliquer tous les biomes. En gros, qu'on va avoir dans tous les biomes. On va pas tout lire non plus, mais dans l'idée, ça va être ça. Network Guidebook. Ouais, bloc. Bon, on verra après. Et le questbook, ok, c'est bon. Et ça, c'est quoi? Animal Dictionary. Ah, c'est pour voir tous les mobs qu'on a dans les modpacks. Oh, il y a tellement de choses. Oh, il y a tellement de trucs. Attends, mais tout ça, c'est des mobs agressifs ou... Attends, il y a ça dans le jeu, là? Il y a ça, là? On va changer de modpack. Hein. On va changer de modpack tout de suite, hein, je vous le dis. Ah bah, ça fait plaisir, en tout cas. Je vais me faire casser en deux. Super! Ah bah super, franchement ça se voit que depuis quelques temps tu fais des efforts pour plaire à ta commu, tu tentes de nouvelles choses et ça marche pas trop mal. Oui, mais après tu sais aussi ça me fait plaisir aussi à moi hein, de tenter d'autres choses. Ah, c'est trop beau! Un petit zozio qui vole. Mais ouais, ça régale, merci là, c'est gentil en tout cas, merci pour ton message. Bon alors écoutez, j'avais vu cette petite sorte de petite maison, qu'est-ce que c'est que ça là? On a pas des trucs cachés là à l'intérieur? En vrai j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui me pète, qui me casse en deux là. À quoi ça sert ça? À part pour le grindstone, ça sert à rien de plus hein. Y'a rien de plus ici? J'ai envie de tout casser pour voir... Non, il y a l'air de rien avoir. Ça a l'air d'être des petites structures, mais qui apportent rien de... Ouais, c'est juste de la décoration, quoi, visiblement. Ok. Bon, moi, je vous propose pour commencer, en vrai, qu'on se balade un petit peu. Qu'on essaie de trouver, genre, un village ou un truc comme ça. Ou même des petites structures pour commencer. Par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que là, on va avoir la nuit qui va pas trop tarder. Et la nuit, ça risque d'être assez chaud. Donc, j'espère que ça va le faire, quoi. On va voir. Parce que là, attends, là est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant là-dedans, là? Fais voir. Hein. Est-ce que, pareil, c'est juste une décoration ou on a quelque chose là-dedans? Je sais pas, fais voir. Il y a l'air de rien avoir du tout. Ok, bon, bah écoutez, tant mieux. C'est pas mal. On dirait Minecraft Legends. Ouais, mais bon, l'avantage, c'est qu'on s'amuse un peu plus que sur Minecraft Legends, quoi. Ça, je vais récupérer, on en aura peut-être besoin, on sait jamais. Les petites pumpkins. On est en début de survie, je rappelle. On est en début d'aventure, on se balade, on entend des mobs un peu qui gueulent de partout. Moi, ça me fait peur. Est-ce qu'on mettrait pas le son du jeu un peu plus fort, en vrai? Vous savez quoi? Regardez. Voilà. Parce qu'en vrai, on est sur Minecraft, on est là pour... Oh, le petit freeze, ça régale. Ça fait plaisir. J'aime énormément quand Guil fait d'autres choses, l'ambiance est mieux, je trouve. Bah écoute, on est là pour s'éclater un peu, mais en tout cas, ça fait plaisir ce genre de retour. Merci beaucoup, hein. Donc ouais, ça qui a cassé en deux, c'est justement pour ça qu'on va te regarder. Bah oui. Oh, j'ai cru que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces trucs? Mini melon. Ça se mange, en vrai? Je pense qu'on peut crafter des trucs avec ça, non? Fais voir si je tape sur... Mini melon. Mini melon. On peut faire des trucs avec ça? Peut-être qu'avec du mini melon, on peut genre faire un melon tout court, peut-être. Ah, c'est ça, c'est complètement ça en fait, ok. Mini melon, non, c'est juste en fait du melon classico. Oh, melon juice! Ça a l'air incroyable. Non, mais ça a l'air incroyable. Non, mais attends,
Non mais ça a l'air insane. Non mais mec, le mot de pack a l'air fou. Non, c'est trop bien en vrai. T'es sûr qu'il y a plus de virus pour remettre le lien? Bah après il faut quand même au cas où faire attention et tu sais analyser le PC quoi. Après honnêtement, je pense que dans le doute le mets pas. Mais pour installer le mot de pack, de toute façon les gens ils font des recherches 2 minutes et c'est bon quoi. Par contre, on entend beaucoup de mobs et surtout il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est ça là-bas là. C'est que ça va bientôt descendu, il va bientôt faire nuit là. Et ça me plaît pas beaucoup là les amis, ça me plaît pas trop. On va prendre du charbon parce qu'on va faire des torches, hein. On va faire des torches. Hein. Donc ouais, ça régale. Tu peux t'amuser sur la bouffe, tu peux craft plein de sortes de nourriture. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'on va faire je pense. Hein. Mais vous avez tous joué à ce mode pack ou quoi dans le chat là? C'est un truc de fou, dès que je parle de trucs, il y a plein de gens qui m'expliquent. On dirait que vous avez tous joué à ce mode pack, hein. C'est quand même incroyable. Bon après tant mieux, hein. Franchement, s'il y a plus de monde qui a joué, honnêtement ça peut être sympa. Ah regardez ce qu'on va faire. En vrai, pour la première nuit, pour pas trop prendre de risques, ce qu'on va faire, c'est qu'en vrai, je vais essayer de me faire un lit assez vite. Par contre, ouais, si je peux le taper, ça serait pas mal. Je vais me faire un lit très très vite. Comme ça, au moins, enfin je pense que je peux faire un lit, non? C'est quoi ça? White sleeping bag? Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de savoir. C'est juste un sac de couchage, des barres. Et ça marche pour dormir ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Attends, mais ça va être bientôt la nuit, on va pouvoir tester là. J'ai pas l'heure, il y a pas l'heure sur le jeu, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'heure qui s'affiche quelque part. Salut Litchi, salut tout le monde. Hein. À quoi ça sert la touche pour s'accroupir comme ça là? C'est juste pour s'accroupir Ah ok d'accord. Ah, c'est bien qu'ils aient mis une touche comme ça en vrai, c'est bien qu'ils aient mis ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah ok, c'est juste une... Ouais ok, un petit coquillage, ok. Ah oh, j'aime trop, j'ai envie de me balader là, je suis comme un enfant, j'ai l'impression de découvrir Minecraft. Enfin j'ai l'impression de découvrir un nouveau Minecraft. Je me balade, je... Oh j'aime trop. Un peu cheat la minimap. Ah bah après mec, c'est le mode pack hein, qui est comme ça. Écoutez, moi je joue avec ce que le mode pack me donne, hein. C'est très simple. Je n'ai rien rajouté, ok on a un village qui est juste là. Ah bah oui du coup c'était apparu sur la minimap, effectivement, ok. Ça c'est pas des trucs qui me tabassent ça quand même si. Non mais en vrai c'est bien que je commence par au moins un village. Pourquoi lui il a une épée et un bouclier? Oh là ça me fait peur, hein. Est-ce que je suis vraiment le bienvenu dans ce village? Je ne sais pas là. Est-ce que je suis sincèrement le bienvenu dans ce village vous pensez? Moi ça me fait peur là. Moi ça me fait flipper là j'avoue. Comment je rentre dans cette maison à part là? Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous emprunter votre maison? Voilà, je dors avec vous. T'es le bienvenu dans le village, ils savent se défendre juste. Ok ouais, donc faut pas le tabasser, ouais. Les mosquitos c'est vénère, ceux qui sont dans le nether ils te tapent fort. Ah bon déjà au moins c'est une bonne chose, on sait qu'ils sont dans le nether. Au moins déjà je vais bien me préparer avant d'aller dans le nether quoi. Bon on a passé la première nuit déjà, ça fait plaisir. Oh c'est quoi ça? Vanilla pods. Déjà on a un peu de bouffe, ça régale. Oh ça m'a fait peur un petit peu tout ça là. Ça m'a fait flipper tous ces petits trucs là. Est-ce que le rhinocéros il me tabasse ou c'est genre chill là? Ou ça va là? Non? Il est gentil ou pas là le rhino là? Pas du tout. Plus pour voir les crafts. Ah c'est bien ça ouais. Oui je me mets sur un item et c'est bon quoi. Arrêtez mais il me faut trop peur hein. Non mais la dernière fois que j'ai vu des rhinocéros, vous savez dans quel jeu c'est? C'est dans un certain jeu qui était tombé à une certaine Zilane. J'aime pas ouais. Ok bon il y a le golem aussi. En vrai je pense que je... Est-ce que si je tape le golem vous pensez que je me fais agresser par les PNJ? Tomato seed. J'ai envie de savoir ce qui se passe hein. En vrai je suis curieux de savoir. Par contre c'est magnifique hein. Même la couleur avec le pack et tout. Non mais vraiment c'est trop beau hein. Ça a rien à voir avec Minecraft de base hein. C'est carrément plus beau que le Minecraft qu'on connaît hein. Vraiment c'est... Il y a plein de graines, il y a plein de trucs différents. Mais vous savez ce qu'on va faire? Je pense qu'on va vraiment faire le tour du mode pack. On va essayer tous les types de bouffe etc. On va vraiment faire le tour entier quoi. Il y avait un hack sur le mode pack. C'est pas il y avait un hack, c'est que oui il y a eu un malware effectivement qui est rentré sur ce modpack là, mais il a été corrigé apparemment depuis quoi. Oh c'est quoi ça? J'ai envie de taper mais j'ai peur que ça me tue en fait. J'ai peur que ça me tabasse en fait, c'est ça le truc. Faire le tour tu fais plus de 100 jours je crois. Mais oui mais justement comme ça on fera une suite mais bon. Donc ouais, merci Ralbuzard, merci beaucoup. J'étais pas trop présent ces derniers temps mais dès le bac de philo passe je reviens en force passé. Et aussi j'ai pas eu le temps de te féliciter pour la Zilane mais encore GG pour la perf. Merci Ralbuzard, merci beaucoup Meryu aussi, ça fait longtemps que je suis pas passé. On vient voir le début de cette nouvelle aventure, merci pour ce que tu fais et encore GG pour la perf. Merci infiniment, c'est super gentil. Alors attendez, tant que là j'ai récupéré un petit peu de pain, on va en profiter pour finir les quêtes du tuto que j'avais pas terminé là. Hop, voilà, bon ça me donne des torches, c'est super, c'est vraiment ça qu'il nous fallait. Et des saplings, ok donc ça on est sûr comme ça d'avoir tout fait maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a comme quête? Vous savez quoi? Attendez je vais m'enfermer 2 secondes. Histoire de... Pour pas au cas où s'il y a un mob ou quoi qui arrive tu sais.
Voilà. Et je vais regarder les quêtes. Alors, d'accord. Obtain a blue journal from a gatekeeper. Ok, c'est quoi les... Ah, les gatekeeper house. Il faut qu'on trouve du coup une gatekeeper house pour pouvoir remplir cette quête. Sauf que je sais pas ce que c'est. Après, je pense que nous, on va faire toutes les quêtes, en fait, je pense. Ok, donc ça, c'est des sortes de coffres au trésor qu'on peut trouver sur des plages. Défendre un village contre un raid, ok, parfait. Crafter un backpack. Ah, ça, ça peut être intéressant, par contre. C'est vrai que le backpack, ça peut être sympa de le faire dès le début. Déjà, comment on va faire? Backpack, c'est où? C'est là, du coup? Ok, il faut que je trouve des trucs de lapin, et après, il me faudra des fils et du fer. Par contre, la grande question que je me pose actuellement, c'est est-ce que si je tue le golem, là, est-ce que les PNJ ils viennent me soulever aussi ou pas du tout, tu vois? C'est ça la grande question. Est-ce que les PNJ vont vouloir me soulever en deux? C'est ça que je me pose comme question, parce que là... J'ai envie de le tuer, mais je sais pas. Bon, au pire, de toute façon, dans la vie, faut tenter les choses, vous savez quoi? On va vite savoir s'il me tue ou pas. Eh les amis, des petits souvenirs d'un certain speedrun qu'on a fait il y a pas longtemps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment, ça régale. Et du coup, ça m'a droppé un petit peu de fer. En vrai, je pense que le fer dès le début, ça va m'être quand même sacrément utile. Donc, on va pas négliger le fer. Hein. On va clairement pas négliger le fer. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire. Je pense qu'au lieu de faire une pioche directe, je vais faire plutôt un saut. Je pense que le saut sera plus intéressant au début, surtout pour avoir un saut d'eau ou quelque chose comme ça. Vu que c'est en hardcore, on va la jouer assez safe, à mon avis. Bon, et les rhinos, c'est Ross, là. J'ai envie de les tuer, mais en fait, j'ai peur que ça fasse un peu comme les mobs des raids, là, que vous savez, qui tapent à 10 000 blocs de loin, là. J'ai envie de tenter, mais en même temps, j'ai peur qu'ils me démarrent. Pour ceux qui sont habitués du mode pack, là, vous pensez que je peux les tenter ou pas, là? Tu peux cliquer droit sur le rhino avec ton libre, ça montre ce qu'il fait. Oh, c'est incroyable, fais voir, attends, il est où, mon... Alors, bon, on m'avait dit qu'ils étaient pas agressifs, hein. Du coup, mais bon, après, j'ai l'impression qu'on m'a un peu, hein. On m'a un petit peu menti, j'ai l'impression. Il y a une énorme grotte ici. Ok, alors déjà, ça a failli mal tourner. C'est sympa, ouais. Ah ouais, c'est sympa, quoi. Ah ouais, c'est cool. Essaye de mettre trois pains à côté dans la table de craft. Hein. De plaisir. Pourquoi? Ça, c'est censé faire quelque chose, hein. C'est peut-être pour, c'est peut-être un autre mod, hein, je sais pas. Holy sapling. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, ça? Sapling? Oh, je comprends rien. Il y a des backpacks. Oui, et j'aimerais bien les crafter, justement. D'ailleurs, est-ce qu'on a moyen de crafter... Eh non, les rabbit hide, faudrait qu'on les trouve, en fait. Faudrait qu'on trouve des lapins. Parce que en vrai, là, si je réfléchis, il n'y a pas vraiment moyen, on va dire, à part de trouver des lapins, d'avoir... D'avoir des trucs de lapin, on est d'accord. Hein. Je peux pas les crafter, je veux dire. Et ça me drop quoi, ça? En vrai, si je tue un peu tous les mobs, il y en a forcément certains qui vont me dropper des items intéressants à force. Hein. Bon, je vais continuer de me balader, en vrai. J'ai un peu de bouffe, là. On est tranquille. J'ai un stack de pain. On va se balader encore un petit peu. On va essayer de se trouver un petit peu, quoi. Pauvre bête, elle t'a rien fait. Bah oui, mais écoute. Faut bien obtenir des petits objets, quoi. Il y a une vidéo qui montre comment savoir si un mod est un hack. Non, mais il y a le lien de CurseForge, si jamais. Pardon, attendez. Non, mais il y a le lien sur CurseForge. Vous tapez un petit peu. Normalement, c'est pas très compliqué à trouver. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Vous tapez CurseForge Analyzer, là, et puis vous arrivez sur le site, il y a tout qui est expliqué, quoi. Tu me donnes envie de jouer, mais jamais mon PC tient. J'avoue que même là, ça se ressent pas trop, je pense, sur le stream, mais mon PC, il est un peu plus en galère que quand j'ai testé tout à l'heure hors live. Hein. Là, il me dit, calme-toi quand même un peu, là, sur ce que tu fais, là. Par contre, les biomes sont magnifiques. Hein. On a une jungle. Hein. Est-ce que vraiment, si je vais dans la jungle, c'est une bonne idée, vous pensez? Moi, je pense que si je vais dans la jungle, le jeu se ferme, hein, à mon avis. Hein. À mon avis. Ouais, on va peut-être pas aller dans la jungle, hein. Je vous avoue, les amis, on va peut-être pas aller dans la jungle tout de suite. Je pense pas que ce soit le meilleur bail, là, actuellement, mais bon. Hein. Ouais, jungle à droite, c'est vrai. Jungle à droite. Ça, ça régale quand même. Hein. Jungle à droite, ça, c'est des refs que j'adore, ça. C'est quoi, ça, ému egg? Je peux en faire quelque chose avec ça? Ok, on peut faire des tartes. Ok. Ok, c'est juste pour des... Ouais, c'est un œuf, quoi. En gros, ça remplace... C'est juste un œuf classico, quoi. Ok. C'est pas mal, en vrai. T'as loupé une forge. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai loupé? Arrêtez, vous me faites peur là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Comment ça, une forge? Une forge où? C'est vrai? J'ai vraiment loupé quelque chose? Attends, oh, il y a un panneau. Attends, mais c'est génial ça. Et c'est... 400 blocs, 1000 blocs. Mais pourquoi?
Attends, c'est... est-ce que c'est pas des trucs qui pointent vers des villages, ça? Est-ce que c'est pas des panneaux qui montrent le village le plus proche? Genre en mode, il y a un village à 400 blocs par là-bas, ce qui paraît logique, et un village à 1000 blocs par là-bas. Ça a l'air d'être ça en vrai, non? Ça a l'air d'être ça, parce que le village, il était vraiment par là. C'est magnifique en vrai, hein. Ça indique des structures. Ok. Oh, c'est sympa, quoi. Merci Dras pour les plus de 2 ans de sub. 28 mois de sub. La première, c'est que tu peux laisser les items dans la table et ils ne drop pas au sol. Deuxième fact, les PNJ ont un nom et non, fracasse pas le rhino, tu peux pas encore. Ok. Oh, le petit raccoon. Oh là là. Non, je peux pas les tabasser. Ça, je peux pas les tuer, ça. J'ai vu les gardiens de la galaxie la semaine dernière, je ne peux pas tuer. Je ne peux pas les tuer. Je peux pas tuer les ratons laveurs, c'est pas possible. Par contre, les autres mobs, oui, hein, pas de pitié, mais pas les ratons laveurs. Le petit pont. Super, super beau, super gentil. Merci à celui qui a construit ce pont. Bon, il est un peu cassé, mais bon. C'est beau. Oh, regardez-moi ce biome qui est là-bas. Ce biome qui va servir à quelque chose dans les nouvelles versions de Minecraft. J'allais dire, qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? On va aller voir ça. Vous avez vu les bambous là? Le bambou là-bas, je voulais dire. Oh non, mais non, mais non, mais oh, non, je voulais pas dire ça. Le... je voulais dire la forêt de bambous. Ici, genre en face. Hein. C'est... ouais, bon, bref. Hein, de toute façon, depuis hier, j'arrête pas de dire des dingueries sans le faire exprès en stream. Pour de vrai, depuis hier, j'arrête pas de dire des dingueries. Donc bon. Merci Vimpos. On est plus à ça après. Hein. Au pire, de toute façon, je me fais ban Twitch. Hein. C'est pas comme si. Bon, bref. Hein, pff, au pire. J'ai même pas fait exprès. Je vous promets, j'ai pas fait exprès. Pour de vrai. Mais par contre, ça c'est cool parce que dans les nouvelles versions de Minecraft, ça va vraiment servir à quelque chose. Je sais pas si ça sert à quelque chose ici, fais voir. Ah si, ils ont vraiment ajouté les crafts en bambou. Ah mais ça c'est le mot piège aussi, c'est le mot piège aussi, c'est bon. Merci. J'ai même pas fait exprès, je suis fatigué, j'ai bossé toute la journée, je suis fatigué, d'accord, je suis épuisé. J'ai bossé sur la prochaine cité, excusez-moi. Merci Vimpos pour les 18 mois de sub, merci Bibiche. Toujours un plaisir de pouvoir sub, merci pour tout le contenu. Merci beaucoup pour les 38 mois de sub. Non mais excusez-moi, voilà, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. J'avoue que je suis un peu fatigué, d'accord. J'ai bossé toute la journée là, sur plein de choses. J'ai préparé aussi le live de demain là tout à l'heure, donc bon j'ai eu plein de choses à faire aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite structure ici. Bon, par contre, il refait nuit, donc je pense que je vais redodo direct, en fait, là. Regardez. Hop. You can only sleep at night or during thunderstorm. Ouais, mais là, c'est la nuit, mon ref, là. C'est pas encore considéré comme la nuit, là, pour le jeu, là. Parce que là, il fait vraiment nuit, hein. Regardez, il y a des... Peut-être que j'attende qu'il fasse vraiment, vraiment nuit, pour le coup, du coup, là. Oh, la musique, par contre. Vous savez quoi? Franchement, là. Oh. Non. Je laisse juste pour la musique, là. Franchement. Il fait nuit là mon ref là. Enfin le... ah non bah peut-être pas en fait. C'est peut-être juste le soleil qui se couche mais il fait peut-être pas encore nuit en fait. Par contre j'entends des araignées là. Je suis pas trop fan de ce que j'entends là. Il y a l'air d'avoir un spawner en dessous là non? Ou quelque chose comme ça. Il y a un sort de donjon en dessous j'ai l'impression là. Ouais. Ça a l'air d'être ça. On va baisser le son un peu. Oula. Oh là là. Hop. Déjà, je vais dodo déjà pour commencer. Ça a l'air d'être un sorte de petit donjon, ça a l'air sympa. On va aller voir ça, ouais. Augmente le son du live, non mais... Eh... Oh non, pas la pluie! Oh non, bah ça c'est une cata, ça par contre. Oh, par contre, avec la pluie... Oh, regardez comment c'est beau. Non mais on dirait pas Minecraft, hein. Non mais c'est vraiment magnifique, hein. Avec le shader, les feuilles d'arbre et tout, non mais c'est magnifique, hein. On dirait vraiment pas Minecraft, hein. C'est incroyable, hein. Par contre, il y a un truc avec de la lave là-bas, là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc avec de la lave au fond là-bas. On va aller voir, hein. Bon, je pense qu'en vrai, je vais aller faire le donjon tout de suite, là. Comme ça, moi, ça sera fait. C'est ça que je voulais faire, voilà. Oh, je sens que cette série, elle va être carrément chill, là. Nous, on entend la musique, on kiffe Guile, on va baisser le son, tu veux, on te tape. Mais oui, mais attends, mais la musique, elle est forte, là. On va le baisser, quoi. Oh, non, je voulais pas faire ça. Quel enfer. Hein. Hop là, regardez, on aime prendre du risque, ici. Ok, alors par contre, du coup, je vois qu'ici, déjà, on a un tripwire, et on a pas mal de flèches, déjà. Et ça, vous savez quoi? On va les récupérer. Oh, il faut vraiment que je me fasse un backpack assez rapidement, parce que là, j'ai l'impression que ça va être compliqué, là, sinon... Pas ma pioche quelque part là? Elle est où ma pioche? Elle est passée où ma pioche là? Elle est où ma pioche là? J'avais ma pioche quelque part mais elle est pas passée. Elle est là, ok, elle était juste bloquée dans le sol, ok. Bon déjà c'est cool parce qu'on a plein de fils que je vais récupérer. Je vais récupérer tous les fils. Parce que je pense que ça va me servir déjà pour les backpacks par exemple. Ça, ça va bien me servir. Tu peux jeter le questbook. Ok ouais. Ouh. Alors ça.
On va clairement pas cracher dessus. Hein. Est-ce que la Rotten Flesh dans le modpack sert à quelque chose? Ok, à faire du compost. Zombie scepter. Ouh. Ah, c'est pour recharger des sceptres de zombies. Donc ça, je suppose, c'est des trucs qu'on va dropper sur des mobs. Bon, vu qu'il y a écrit Twilight Forest, à mon avis, ce sera bien plus tard. Est-ce que ça sert à quelque chose, le Holy Sapling? En vrai, j'ai envie de le garder, parce que s'ils me l'ont donné au début, j'ai envie de le garder quand même. Bon, on va essayer de s'avancer doucement dans le donjon. Mais bon, le problème c'est que là j'ai vraiment pas de stuff, donc si je vois que c'est la merde, on reculera hein, par contre. Hein. Je vous le dis direct, on va reculer. Ok, on va se barrer. Non mais on va se barrer en fait. Non mais c'est bon en fait. Non mais de toute façon j'avais pas prévu d'y aller de toute façon, donc non mais moi j'avais pas prévu d'y aller, je sais pas si vous avez prévu d'y aller ou pas, mais le livre... Ah bah attends, on me dit qu'il faut que je le jette et après on me dit qu'il faut que je le garde, le questbook. Qu'est-ce que je fais? Ah! Attends, mais elle me tape à travers les murs la spider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Attendez. On me dit qu'il faut que je le garde et après on me dit qu'il faut que je le jette. Qu'est-ce que je fais? Il y a une touche pour, non? Pour avoir... Si, regardez, j'ai le truc. Mais oui, c'est bon, regardez, j'ai ça. J'ai la touche en haut à gauche. C'est bon. J'ai la touche en haut à gauche, de toute façon c'est pas très grave. Bon, par contre, est-ce que le donjon, j'ai vraiment le niveau pour le faire maintenant là? C'est ça la question. Parce que vu que j'ai pas de stuff, j'ai rien. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille tenter le diable direct là? C'est ça la question. Peut-être qu'on reviendra ici plus tard, hein, je pense. Non? Parce que le truc, c'est que... Est-ce qu'il y a des waypoints dans le jeu là? Est-ce qu'il y a des waypoints? Attendez, on va regarder dans le keybind là. Bah, en soi, s'il y a la map, en soi, oui. En soi, s'il y a la map. Enlarge minimap. Si je fais ça par exemple, ou je sais pas, n'importe quelle touche. Voilà, J. Si je fais ça. Ah non, ok. T'as large le niveau. Bah là, apparemment pas. Hein. Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à augmenter la map en grand là. Comment je fais? New waypoint. Ok, parfait. Bah voilà, on fait ça. On fait structure donjon. Voilà. Structure donjon, ça va très bien, je pense. Et on va les mettre. On va les mettre en rouge. Voilà. Structure donjon. Et ça apparaît sur la map, donc c'est parfait. Ok, bon, on viendra plus tard. On va pas prendre le risque tout de suite. On viendra plus tard. Hop. Déjà, ça serait bien que je commence très sagement avec la conception d'un stuff, quoi. Déjà pour commencer, je pense, avant de trop prendre du risque, à mon avis. En fait, surtout, le truc, c'est que je pense que je vais vraiment y aller tranquillement pour l'instant. Genre, je vais aller en grotte et on va essayer d'aviser un petit peu de ce qu'on peut faire après. Pour être honnête, je sais pas du tout exactement ce qu'il va falloir faire. Hein. Je suis vraiment dans la découverte totale. Hein, là. Merci beaucoup, Télésushi Loplop. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci pour les 28 mois de sub. Pour être honnête, je sais vraiment pas du tout ce qu'il va falloir que je fasse au total. Même ce qui est recommandé. Mais là, je pense qu'en vrai, aller miner pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal, je pense. Non? Ça m'a l'air plutôt cool. On va aller voir. Il y a encore une structure là. Il y a plein de structures un peu de partout. Mais je suis sûr qu'on peut trouver du stuff dans les coffres de ces structures. Bon là non, parce que du coup il n'y a pas l'air d'avoir trop de coffres. Mais ça par exemple, ça ressemble à un sort d'hôtel. Il y a quelque chose dessous, non? Il n'y aurait pas quelque chose en plein milieu là, tu vas me dire. Bon, une épée looting 2 en vrai. Une épée looting 2, c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal hein. On commence bien hein. Mais après, mais bon voilà, hein. Merci de ne pas backseat. Bon après honnêtement les gens peuvent m'aider je pense, MTC là pour le début. Honnêtement ça reste pas entre guillemets du backseat, mais c'est pour que je découvre aussi, que je tourne pas en rond. S'il y a des gens qui connaissent, ça me dérange pas, là je vous le dis, ça me dérange pas que vous m'aidiez entre guillemets sur le début quoi. Genre s'il y a des trucs que vous voyez que je loupe, vous pouvez me dire là t'as loupé quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça serait bien que je me fasse un bouclier assez vite je pense, parce que là les mobs à mon avis ça va être compliqué. Ça pourrait être carrément intéressant. Bon, il y a un peu de fer par là, on va en profiter. C'est mes premiers lingots de fer du modpack. Hop là. C'est pas du backseat, on l'aide, sinon il peut pas découvrir certains trucs. Exactement, ouais. Mais il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas, je vous le dis. Ça ne me dérange pas, en tout cas. Et c'est rare que je le dise, donc profitez-en. Hein. On va commencer directement. On va mettre le fer à cuir. Alors, on m'a dit apparemment que si on craftait des trucs et qu'on sortait de la table de craft, et ouais, ça les enlève pas. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement stylé. Et du coup là je peux reprendre mon craft, mais c'est génial ça aussi hein. Ça par exemple tu vois, pour moi c'est quelque chose qui devrait être dans le Minecraft d'origine quoi. Et après c'est peut-être pour ça que le modpack s'appelle Better Minecraft hein, éventuellement hein, parce que c'est ce qu'il devrait y avoir dans Minecraft hein, initialement. C'est peut-être pour ça éventuellement. Éventuellement.
C'est peut-être pour ça. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ici? On a rien du tout. La Rotten Flesh, on va la tège. Ok. 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 Trop laggy et bug de dupli, je pense. Ouais, après, si là, il n'y a pas de bug de dupli, en soi, ils peuvent... Je pense que Mojang peut très bien réussir à ne pas avoir des bugs de duplication. Hein. Honnêtement, ça... Il y en a eu des bugs de duplication, hein. Mais à chaque fois, ils les ont corrigés tout le temps. Donc pour moi, je pense qu'ils seraient tout à fait capables, en tout cas, de sortir ça. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un petit... Voilà, je vais mettre la petite playlist Minecraft directement. Et ça, ça régale, vous voyez? Regardez, hop. Voilà. On va mettre la petite playlist MC directement. Des musiques du jeu. Comme ça, au moins, on va avoir en permanence la musique de Minecraft qui tourne. Et ça, ça me régale. Bon, bouclier, on a dit du coup. Non, pas avec de la bouffe. Non, pas avec de la bouffe. Oh! Comment ça? Comment ça, mon buff? On peut pas faire les shields comme ça? Oh, ça a changé le craft! Mais non. Le craft du shield, il a changé. Alors ça. Ok, donc du coup, ça se passe comme ça maintenant. Ok. Bah, ouais, bon, c'est un peu plus... Pas punitif, mais c'est vrai que niveau... Niveau fer utilisé, c'est un peu plus... ça demande un petit peu plus, quoi. Tu comptes commencer Zelda TOTK ou... Non, pas tout de suite, en vrai. Pas tout de suite. Je me sens pas dans l'obligation de le faire maintenant, pour être honnête. Il y a tout le monde qui l'a commencé récemment, là, donc je me sens pas vraiment dans l'obligation de devoir speeder le jeu, on va dire. Surtout, j'ai envie de prendre mon temps, je le ferai sûrement un peu plus tard, le jeu, on n'est pas pressé de toute façon. Ok, alors par contre, j'ai pas beaucoup de bois. On va peut-être, avant de descendre en cave, là, parce que j'ai vu qu'il y avait une grotte, moi, je pense que ce qui pourrait être cool... En vrai, ce qui aurait été cool, c'est qu'on fasse un backpack, hein, pour commencer. C'est quoi, ça? Cette petite icône, hein, arc. C'est quoi, tout ça? Pourquoi j'ai une deuxième... Pourquoi j'ai un deuxième truc, là? C'est normal, ça? À quoi ça sert, cette deuxième petite option dans le jeu, là, que j'ai? Et ça, pareil, est-ce que ça peut me servir à faire des choses ou pas? Mais ça, je pense que c'est comme de la bouffe, on est d'accord, ça? Attends. Oh, il y a eu un petit lag, là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref, en vrai, on va essayer de récupérer un peu de bois et on va aller en cave après, je pense, hein. À mon avis. Salut à ceux qui arrivent, bonjour tout le monde! Salut, Mégagon, pardon. Excuse-moi, désolé. Salut, bonjour à tous! En parlant multigaming, tu comptes faire cash en live bientôt, maybe? Ouais, bah c'est bientôt l'été, donc je pense qu'on va faire ça soon. On va voir. Eh, j'ai trop de trucs dans mon inventaire, je sais pas quoi faire, les gars. Vraiment, c'est horrible, je sais pas quoi virer, là. Bon, au pire, les tomatocides, on en retrouvera. C'est pas super grave, je pense, hein. C'est quoi, c'est juste du jungle wood, du coup? Ok, donc faudrait peut-être que je me... Merde. Faudrait que je me limite à prendre du jungle wood, parce que sinon, si je commence à prendre plein d'autres types de bois, on va pas s'en sortir. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est du jungle wood aussi, ou ça en est d'autres, hein? Non, c'est un anode, ça. Ok. Ok, c'est stylé. Bon, on va prendre un petit peu de bouffe, là. Merci, Antoine, pour le sub tier 3. Incroyable, merci beaucoup. Ça, c'est super gentil, ça. Ça a fait un bruit bizarre, ça m'a fait peur. Mais je crois que c'est les feuilles qui sont tombées d'un coup. Si tu appuies sur Q sur un item dans J, tu le mets en favori pour retrouver plus rapidement le craft. Oh. Ouais, donc imaginons par exemple. Ah oui, ok, ça apparaît à gauche du coup les items en favori après. Ok, oh c'est sympa. Et on peut les retirer comme ça. C'est super sympa, merci pour l'info, ça, vous voyez. En fait, dites-vous que cette série, enfin cette petite aventure là, je la fais pour essayer d'apprendre les mods. Parce que j'ai jamais appris les mods et j'aimerais bien tout simplement me mettre un peu à la page, hein, niveau mod. Donc c'est pour ça que je fais ça, tout simplement. C'est pour essayer un petit peu de découvrir l'univers des mods, que je ne connais pas plus que ça, mais tout en commençant sur un modpack qui est plus ou moins classique. Parce que Better Minecraft, c'est vraiment un modpack. Quand j'en ai parlé en live l'autre jour, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Oui, c'est un modpack très, très connu, entre guillemets. » Et beaucoup de gens de mon chat y ont joué, d'ailleurs. Donc bon, c'est quand même assez pratique, parce que comme ça, ça permet, au cas où, si j'ai des questions ou des interrogations, de pouvoir vous les poser. Et ça... J'avoue que c'est vraiment sympa, quoi. Bon, est-ce que l'œuf, on est d'accord qu'on s'en fout un peu, là, hein? Donc bon. Oui, RL Craft, mais bon, RL Craft, le souci, c'est que c'est compliqué de faire une aventure sans clamser, quoi. C'est ça, le problème. Hein, on va pas se mentir. Donc bon, vous savez si pour Ragnac Mode 6, on peut DL sans risque ou faut attendre encore un petit peu? Aucune idée. Honnêtement, les modpacks, pour l'instant, t'as la liste, normalement, sur CurseForge, des modpacks qui sont infectés. Et tu as la liste des modpacks qui ont été rendus comme safe. Donc tu peux, je pense, te renseigner sur le truc, quoi. Je pense que c'est l'un des plus connus de ce genre en même temps. Ouais, bah oui, oui, mais tu sais, en vrai, je connaissais pas plus que ça, moi. Hein. Vraiment, l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo au pif total du modpack. Et je connaissais pas plus que ça. Hein. Mais c'est méga intéressant, quoi. Utilise ta Golden Sword à la Mending.
Ah oui, effectivement. Ah oui, tout à fait, ouais. Effectivement, elle a mending, tout à fait. Tout à fait, ouais. Après, vas-y, c'est une looting 2, donc bon, est-ce que ça vaut... Quoique, en vrai, la looting 2, peut-être que pour le début, ça peut me servir. Au niveau des mobs, etc., ça peut peut-être être sympa. Vous avez peut-être raison, en vrai, on va peut-être faire ça. Non, vous avez raison. N'oublie pas de le faire avant. Oui, bien sûr. Non, non, vous inquiétez pas. Je prends du charbon, je prends tout, là. On va se mettre bien. Par contre, c'est vrai qu'on voit rien du tout, hein, là. Et du coup, question pour ceux qui connaissent éventuellement. Qu'est-ce que le mode... Enfin, qu'est-ce que l'option True Darkness qu'on a activée dans le commencement, là? Qu'est-ce que ça sert... À quoi ça sert, hein, exactement? Dites-moi. Que je puisse savoir. Hein. GG pour la Zilane. La Zilane, c'était trop bien. Merci beaucoup, Benji. C'est adorable. Merci infiniment. Bon appétit, Oxtime. C'est vrai que j'aimerais bien Zediax, hein, effectivement, ouais. Je veux bien carrément un petit tuto d'installation, si tu peux le faire. En fait, je sais pas s'il y a moyen de le faire sur... Sur Dolphin, parce que j'ai la flemme de ressortir ma Wii Zediax, mais en vrai, s'il y a moyen, je suis chaud. Si tu sais si on peut installer ces TGP ou quoi, je suis carrément chaud que tu m'aides, ouais. Merci toi, JWP. Merci beaucoup pour le Prime. Merci infiniment. C'est pour le Darkness des Warden. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc je pensais que c'était pour autre chose, quoi. Est-ce qu'on prend le risque de tabasser cet Enderman dès le début, en vrai? Après, risque, je pense que c'est assez un bien grand mot, je pense, quand même. À mon avis, on n'est pas sur un si gros risque, je pense. Si je la joue à la classico. Elle va péter là, non? Attends. Ah oui, on voit la vie en haut, ok. Attends, je vois. Ok. Attendez. J'avais pas vu qu'on voyait la vie ici en fait, hein, du mob. Et du coup là. Voilà. Ok, parfait. En vrai, les Enderpearls dès le début, ça peut me mettre bien. C'est pour ça que j'ai préféré le tuer. Bon, le problème, c'est que ça m'a fait perdre beaucoup de dura sur l'épée, mais c'est pas grave. En vrai, parce que voilà, elle s'est rechargée direct. Bon, par contre, le fait d'avoir le bouclier là en permanence, c'est un peu relou. Parce que du coup, je peux pas garder mes torches dans la main, et du coup, ça fait que je vois rien. À quoi ça sert cet endroit là? On a rien de particulier ici, si? Je vais voir si je creuse en dessous. Ça a pas l'air d'être incroyable comme endroit ici. Bon, on va essayer de se faire juste un stuff rapidement, un petit full fer par exemple. Au niveau de la table d'enchantement et tout, on verra plus tard. Je pense que c'est pas dans nos priorités tout de suite là. Donc on verra quoi. Tu nous fais une pelle en diams en référence au bon vieux temps. Ouais, mais en vrai, j'ai hésité à en faire une. Tu sais, Itiraton, j'ai hésité à en faire une là. Mais je me suis dit, bon, on va peut-être attendre d'avoir un tout petit peu plus de diamants pour faire ça. Parce que là, j'avoue que là, j'ai vraiment que dalle. Mais j'y ai pensé. Je me suis dit, en vrai, la petite pelle en diams là, à l'ancienne, pourquoi pas. Merci si, Chocapic. Merci les amis, merci pour vos primes, vos subs, etc. C'est adorable, merci, je vous aime fort. C'est pas le début d'une Lush Cave. En fait, vous pensez, c'est une petite partie, non? Ou c'est une petite Lush Cave? Je sais pas. En tout cas, pour moi, ça m'avait l'air d'être ouais, une micro Lush Cave, mais je pense que c'est un mini microbiome qui a été ajouté. Non? Bon, dans tous les cas, on va descendre par là. Et si jamais je suis perdu, je retournerai là-bas. Bah, voilà, c'est fini. Donc en vrai, on va tester peut-être de creuser autour, mais bon. Et moi, tu m'aimes. Mais moi, je vous aime toutes et tous, en fait, Fadi. C'est ça le problème, c'est que moi, je fais pas de différence. Tous ceux qui sont là, je vous aime fort, hein, c'est tout. Ok, c'est bon, la pioche va péter. C'est le dernier bloc. Hop là. Et du coup, si la pioche a pété, eh bien ça veut dire que c'est l'heure. Eh ben c'est l'heure de rien faire. Parce que du coup, j'ai pas assez de cobble. Donc c'est super. Attendez. On va devoir s'en refaire une. Bah décidément, c'est un peu la sauce. Hop. On va commencer à se faire notre petit full fer, histoire d'être sûr de tenir pour l'instant. Après, je pense qu'on n'est pas pressé, hein, pour la suite, honnêtement. On n'est pas, tant pressé, donc on peut prendre notre temps. On verra plus tard pour la table d'enchantement. Il y a le temps, même pour le diams, etc. Après, honnêtement, tu sais quoi? Je pense qu'on est, comme vous avez dit, on est au bon vieux temps, et puis on est chill. Elle est à nous, celle-là. Voilà, elle est pour nous, celle-là. Cette petite pelle, elle est pour nous. Ça fait plaisir. Finalement, vous avez raison, l'épée looting 2, elle me met très très bien, là. Parce que le fait d'avoir, par exemple, plein d'enderpearls dès le début... Bon, par contre, je suppose, pour parler des Enderpearls, on est d'accord que le dragon va être forcément plus difficile, hein, je pense. Y a pas trop de suspense de ce côté-là. Je pense que le dragon va être... J'allais pas dire hardcore, mais bon. Ça va plus être compliqué, à mon avis. Je pense. Bon, et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Et la petite pelle, est-ce qu'il y a Create dans le modpack? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, donc là, du coup, on va crafter la petite pioche. Voilà. Ah bah si je la prends pas, ça va pas être très pratique. Hop. On va commencer le stuff. Pourquoi je me mets tout le temps à F1? Il y a une touche normalement qui fait F1. Ah mais oui, ok, j'ai une touche. Oh. Je savais même pas que ces touches sur le côté de mon clavier étaient des touches de F1. Je savais même pas, vous voyez. Je viens de l'apprendre.
Un plaisir de te voir sur Better Minecraft. Profite bien de ta survie, le mode pack est super complet. Bon live, je te regarde de la gare. Bon courage pour le train. Et puis fais attention à toi, évidemment, fais attention. Mais ouais, le mode pack a l'air incroyable en tout cas. Tu le fais en stuff tous les jours, donc même boost. Tu le fumes le dragon. Ouais, c'est pas si faux que ça, ouais. C'est vrai que t'as peut-être raison. D'ailleurs, je viens de regarder ta dernière vidéo best-of, gros banger. Merci pour cette qualité que tu offres sur les vidéos. Je te remercie beaucoup, Café Laté. Merci les amis, merci pour vos retours et vos messages. C'est adorable. Vous savez quoi, j'ai lu tous les commentaires que vous m'avez laissés sur le dernier best-of. Je les ai tous lus. La vidéo Zilan, j'ai pas encore eu le temps de lire tous les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup. Mais le best-of hier qui est sorti, j'ai tout lu. J'ai lu tout le monde. Et ça m'a fait plaisir. Il y a eu plein de commentaires super gentils, donc c'est vraiment un régal ce genre de petit best-of, et c'est exprès pour ça qu'on en sort. Merci pour ces euros de donc plaisir. Vraiment, vous êtes adorables quoi. Comment il va mon bébou aujourd'hui? Ça va super, Dan, et toi? Aujourd'hui, je vais super bien. Je vais super bien. Bah comme tous les jours quoi, finalement. Ici, ça respire la bonne humeur tout le temps là. On n'est pas là pour se prendre la tête. Bon, on va attendre que se faire cuise un petit peu, comme ça en même temps je peux discuter avec vous, ça fait plaisir. Merci pour la force, mais carrément Spirit, t'as fait un... Merci pour les clips, franchement super taf. Et puis Xa, il a trop bien géré le montage, donc ça fait plaisir. J'ai hâte d'être au prochain best-of, hein, ça je te le dis. Merci NXECO, merci pour les 1 an de sub. Merci Crocmou56 pour le sub aussi. Merci beaucoup, bienvenue pour ceux qui lâchent vos petits subs, vos petits primes et tout, ça fait plaisir. On est à plus de 3000 subs grâce à vous, donc ça régale. Ça fait plaisir. Tu peux montrer à quoi il ressemble ton PC? Je l'ai pas bien vu sur la vidéo. Là je peux pas te montrer quoi. Enfin, je peux pas enlever la caméra, faudrait que je te prenne une photo, mais bon, mon téléphone il est à perpète, donc... regarde le best-of, hein. À quand la prochaine cité? Eh bien, bien plus tôt que tu ne le penses, mon cher Roro Vidéo. Bien plus tôt que tu ne le penses, hein. Je dirais même plus... Incessamment sous peu. Peut-être éventuellement, hein, peut-être... qu'il y a une annonce vendredi prochain. Peut-être qu'il y a une annonce vendredi prochain, vers 19-20h, dans ces eaux-là. Peut-être éventuellement, c'est pas... Je veux pas non plus tout spoiler, mais peut-être qu'il y a une annonce, là, vendredi prochain, qui va arriver, qu'on va vous montrer en live, etc. Peut-être qu'il y a un truc qu'on va faire vendredi prochain. Si on a fini le trailer, quand même. Bref, on est en train de bosser un petit peu en ce moment, mais bon. Hein. Tu veux que je fasse des blagues comme hier ou pas? Ouais, bah tu sais, tu n'as pas besoin, Dan, parce que hier j'ai dit une dinguerie à cause de toi. Et ben là, j'ai déjà dit une dinguerie dans ce live, mais même sans toi. Donc tu sais, il y a une cité fin juin. Ah, ça, je reconnais quelqu'un qui n'a pas regardé la vidéo Zilan et qui du coup n'est pas au courant. Mais bon, bref. Hein. J'ai vu dans une de tes vidéos, à un moment donné, il y a un teaser de la Cité des Nations 2, non? Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Effectivement, Diavolo, ouais. Effectivement, il y a la Cité des Nations 2 cet été. D'ailleurs, je connais la date. Je ne peux pas encore vous la révéler. Mais on connaît les dates, tous les participants connaissent les dates. Et du coup, bah, vous savez que déjà cet été, il y a au moins deux cités. Et ça... Bon, après, je pense qu'il n'y aura pas plus d'autres cités. Mais il y aura peut-être d'autres événements, par contre. Pas forcément d'autres cités, parce qu'après, forcément, on dort un petit peu, hein, à force. Mais bon. Nous, en tout cas, on a réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi aussi, là. J'ai eu l'idée récemment. Avec vous, d'ailleurs, c'était sur le chat aussi. J'ai eu l'idée d'un nouveau petit concept Minecraft qui pourrait être sympa. Pour changer un petit peu des cités. Pareil, un événement qui se passerait sur plusieurs jours, mais qui aurait rien à voir avec une cité à proprement parler. Quelque chose de nouveau, mais voilà, qui serait un marathon sur plusieurs jours, pareil. Donc on verra, ce sera peut-être le prochain événement sur lequel on travaillera. Une fois qu'on aura fini, tous ceux qu'on a en cours, parce que là pour l'instant, on en a un petit peu, hein, ça je peux vous le dire. On est un petit peu short, hein, en termes de trucs. Bon, j'ai plus beaucoup de... Ah mais j'ai même plus de charbon, bah oui, ils sont dans mon... Forcément, ils sont là-bas. Hop. Bon. On est good sur le full fer, ça fait plaisir. Bon, déjà, je me sens un petit peu plus en sécurité actuellement, là, avec mon petit full fer. Je pense que ça va nous servir. Hop là! On va se faire un petit peu plus de torches. On va pas non plus en abuser, hein, mais... Ouais, je vais en prendre un petit peu, histoire de... Voilà. La musique, les gars. Non, mais... Ça c'est la musique de mon enfance, hein, celle-là. Hein. Non, mais vraiment, hein. Par contre, j'entends beaucoup de mobs, là. Ça me fait peur, cette histoire-là. Ça me fait peur, cette histoire-là. J'entends beaucoup de mobs. Bon, allez, on va continuer de se balader. Maintenant, voilà qu'on a un peu le stuff. On va se balader un petit peu. Bah, en vrai, vous savez quoi? Maintenant que j'ai le stuff, je pense qu'on va aller faire la structure. Hein. Tant qu'on est là, à mon avis, je pense pas que j'ai tant de retard que ça. Je pense que je peux largement aller faire la structure qui est là. Donc, on y va. C'est en face. Donc, ça fait plaisir. C'est pas si grave, t'es devenu riche grâce à moi. Oui, c'est vrai. Exactement. Exactement, Dan. C'est vrai. Enfin, riche. Ouais, bon. Ouais, ouais. Ouais, grâce à toi, oui. Oui, c'est clair, hein, ton charbon. Mais je l'ai, il est là, mon charbon, regarde. J'ai raté quoi? Pas grand-chose à part fur, éventuellement. Oh! Oh, c'est incroyable! Ils vont me tabasser?
Stylé. C'est trop stylé. C'est adorable. Attendez, question. Oh non, merde, je voulais pas casser la banane. Question, attendez. Ça, je suppose que je peux le récupérer. Ça doit être un bloc, genre... Je peux récupérer ça ou... Attends, j'ai envie de savoir si je peux le récupérer. Ok, et là du coup... Ah, c'est pour... Wow! Ok. Quoi? Pourquoi il me tape lui? Et pourquoi tu me tapes? Et pourquoi il me tape? Pourquoi il me tabasse? Parce que je lui ai pas donné la banane à lui, j'ai donné à d'autres. Pourquoi il me tue lui maintenant? Pourquoi il me tue? Je vais le buter lui hein. Et toi tu me tues ou pas? Tu me tues pas toi, t'es gentil toi. Attends, j'ai fait un bébé. Oh, c'est trop stylé. Oh non, c'est adorable. Oh non, le modpack est incroyable, c'est adorable. Tu voles des bananes aussi. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça qu'il m'a tué, tu penses? Enfin, c'est pour ça qu'il m'a attaqué. Parce que j'ai commencé à voler leurs bananes. En soi, c'est compréhensible. Mais bon, c'est stylé. Franchement, c'est trop beau. Même ça, c'est trop bien fait. Regardez. Par contre... Oh là. Je sais pas si les grosses fourmis rouges, là, c'est... Je sais pas si les grosses fourmis rouges là-dedans. Vous pensez que si. Est-ce que ça fait comme dans la vraie vie, c'est-à-dire si je pète autour là? Je sais pas, j'ai pas envie de tenter une dinguerie là. Si je casse ça, il se passe quoi? En vrai, le premier degré, ça m'a fait sursauter un peu quand même, premier degré. Ça m'a fait sursauter, premier degré. Ça... En fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait qui en sortent, mais pas un gros machin comme ça. En plus, moi, les insectes, c'est pas trop mon truc. Donc, là... Ouais, non, merci Félix le Chacha, merci beaucoup pour les 31 mois de sub. Il y aura un event de Last of Us? Non, non, bah, je pense pas, hein. Pas cet été, en tout cas, bon, on m'a pas tenu au courant de ça. Bon, allez, c'est l'heure de rusher, vite, ce petit donjon, là. Il y a un spawner par là, si je peux vite m'empresser de le péter, là, en vrai. Ouais, mais là, le problème, c'est que là, c'est la sauce, là. C'est quelle est la proba qu'il y a un spider jockey qui spawn quand même là? Putain, mais on en parle ou pas là? En vrai. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres... éventuellement d'autres trucs ici là? Pas l'air d'avoir d'autres trucs. On va la jouer safe. Hein. Vous savez quoi? Je vais avancer déjà. Je vais avancer juste dans le donjon pour voir si j'ai pas d'autres spawners à péter. Bon, visiblement ça a l'air d'être tout. En vrai, ouais, c'est vrai que j'avais vraiment le stuff pour le faire. Hein. Franchement... C'est tout? Il y a qu'une petite salle là? Mais vous savez que j'ai trop peur qu'il y ait un mob qui me spawn dessus comme ça et qui me one shot. Mais pour de vrai hein. J'ai vraiment peur qu'il y ait un mob d'un coup qui sorte de nulle part et hop. Tu sais pas pourquoi il m'arrache. C'est ça qui me fait peur en fait. Et moi je pense que je suis traumatisé par RL Craft en fait, c'est ça le souci. Je pense que je suis traumatisé par Non j'ai pété là. Bon c'est pas grave, tant pis c'est pas grave, on s'en fout. Gaffe la dura, c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, c'est pour ajouter un petit peu plus de difficulté n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais bon. Le spawner a drop? Il a drop quoi? Merci. Il a un drop le spawner? Si? Ah c'est ça que j'ai jeté? Ah mais oui! Mais oui! Broken spawner! Attends mais c'est incroyable! Attends mais du coup, on peut faire des usines custom? En gros là si je comprends bien sur le modpack? Oh! Oh! Oh c'est sympa! Je voulais pas faire ça par contre. Je voulais pas faire ça, de base je voulais faire ça. Par contre je viens de me rendre compte d'un truc là. Ah ouais ok. Ça c'est un gain de temps qui est énorme hein, par contre hein, en vrai. Hein. Ah ouais le gain de temps est fou de faire comme ça. Tu gagnes 16 sticks au lieu de passer par les planches. Ça c'est pas mal ça. Ok on va se faire la pioche direct là. Hop. Comme ça au moins on est tranquille. Bon du coup j'ai plus d'épée hein, mais bon c'est pas grave hein, on s'en fout. Hop. Parfait. Un petit récap du début d'aventure. Pour l'instant juste on se balade. On essaie de trouver des structures. Et on découvre. La plupart des mobs, etc. On découvre un peu tout pour l'instant. Bon, par contre, j'ai fini cette structure. Comment je supprime le waypoint maintenant? C'est quoi la touche? Normalement, je dois avoir une touche pour supprimer. Je sais pas où c'est. Où es-tu, petite touche? Quick waypoint. Open waypoint screen. Ça doit être ça. U. Et ça, je peux... delete. Ah, tu le... Ok. Et là, ça l'a supprimé? Attends, mais comment ça? Restore... Delete. Ah d'accord ok. Oh, c'est bien fait, c'est pour éviter qu'on misclique sur la touche. Hein. Ça, c'est bien fait quand même, hein, franchement. Hein.
C'est bien fait. Il y a plein de choses qui sont bien faites en gros. Tu dois, t'as une touche de confirmation pour supprimer ton waypoint. Hein. Franchement, c'est bien foutu. Hein. Regarde les crafts disponibles avec le spawner. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là. Oh là là. J'ai rien compris, mais ouais. T'as perdu du niveau en anglais depuis le Twitch Rivals. Eh oui mec, bah oui, bah c'est normal hein, depuis hein. D'ailleurs on est en quelle version? Ah mais on est en 1.19. Ah mais je savais même pas qu'on était en 1.19. Alors par contre si je meurs de chute, alors ça c'est con ça. Mais je savais même pas qu'on était en 1.19, tu vois, déjà pour commencer. Bon ok. Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on se trouverait pas un nouveau village hein, éventuellement? Ou est-ce qu'on se baladerait un petit peu pas? Moi je pense qu'on peut se balader un petit peu pour essayer de trouver des nouvelles structures, etc. De toute façon j'ai pas envie d'aller miner pour l'instant, je vous avoue. Donc je pense qu'on peut se balader pour essayer de trouver des structures, des trucs comme ça qu'on pourrait noter éventuellement. Genre là par exemple on en a une qui est là, mais je sais pas, je pense que c'est juste un sorte de pont ça. Ah, c'est pas une grosse structure hein, c'est juste un pont quoi. Tu vas faire un 24h ou pas? Un live 24h? Peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée, je t'avoue. Merci Taga pour les 4 mois de sub. Merci Galax4, les premiers français qui l'ont écrit. Moi je l'ai déjà passé mercredi. Ah, qui ont l'écrit? Oui, good luck aux premiers français qui ont déjà l'écrit, pardon, excuse-moi. Je sais pas si je referai un live 24h en vrai, mais je sais pas si. En fait, je sais pas qu'est-ce que j'aurai à faire pendant un live 24h, c'est ça la question. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette petite structure? On dirait un sorte de champi. Ouais, c'est ça, on dirait un biome un peu. Un nouveau biome. Par contre, oula. 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 Ouais, ça a pas l'air d'être très accueillant par contre. Il y a l'air d'avoir quand même quelques mobs quoi. Ok, on va peut-être pas y aller. C'est un village de monstres. Ouais, eh ben on va peut-être pas y aller les gars. En vrai, le bébé zombie là, il peut me dropper son armure ou quoi là, en vrai? Par contre, il va falloir être bon hein. Vous avez vu les dégâts qu'il m'a mis juste avec sa pioche lui? Le frérot là? Merci pour ce gros de plaisir. Il en a de la vie le frérot là. Ok, un coup t'es mort. Drop-moi ton armure mon gars. Bon bah super. On va peut-être pas y aller hein. A toute Marie, à plus tard. Tu choisis 24 jeux et t'essaies d'aller le plus loin possible à chaque en une heure. Ouais bon. En gros on peut faire un 24h sur comment il s'appelle là? Le nouveau jeu là, Only Up. On fait un 24h sur Only Up et on essaie de finir et de faire un speedrun en même temps sur le jeu. Y'a quelque chose en vrai. Mais un checkpoint. Ouais, t'as raison. On va mettre un waypoint. T'as raison. Ouais, 24h, le nouveau Zelda. Ouais, en fait, le souci, c'est que jouer à 24h au même jeu, en général, ça me saoule très vite, moi. Vous savez, au bout de 5-6 heures, j'en ai un petit peu marre. Ok, vous avez raison. On va mettre un waypoint ici. C'était quoi ma touche déjà? C'était B, je crois. Village de mobs qui font peur. En vrai, ça fait très peur, ça. Et je vais mettre en rouge foncé, tu sais quoi? Village de mobs qui font peur. Alors, ça, c'est un truc qui fait flipper, ça. Hein. Ça, mon gars. Ça, c'est un truc qui fait flipper. C'est quoi ce truc? Ok. Le titre. Tu joues pas au nouveau Zelda? Non, j'ai toujours pas fait le nouveau Zelda, je sais. Mais en fait, le souci, c'est que bah le nouveau Zelda, j'ai fait un petit sondage, on va dire, dans ma communauté. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, bah en fait, si tu fais le nouveau Zelda, je regarderai pas parce que j'ai pas envie de me spoiler. Mais du coup, faire le nouveau Zelda pour... Enfin, tu vois, pour 10% de ma communauté, bah ça m'intéresse pas. Autant le faire dans mon coin ou alors le faire, comment dire, le faire en attendre que plus de gens l'aient fait pour le faire avec plus de monde, quoi, on va dire. C'est ça l'idée. Donc bon. Range tes flèches dans ton carquois. Quel carquois? J'ai un carquois déjà? Attends. Quel carquois? Comment ça, j'ai un carquois? C'est pas un carquois que j'ai ici? Ah non, mais dans mon dos, tu veux dire? Non, attends, j'ai pas compris. De quoi tu parles? Quel carquois? Le truc en bas à droite, hein. La deuxième interface. Ah. Bah visiblement il y a R. Hein. Enfin visiblement on peut pas. Peut-être pour des arcs ça plutôt, non? Pour se balader avec des arcs. À quoi ça sert hein, ce truc? Bah ouais, je sais pas à quoi ça sert. Le menu arc, bah visiblement on peut pas. J'ai essayé de cliquer dessus mais on peut pas apparemment. Salut Fusion Joskay, merci beaucoup. Peut-être que c'est pour avoir plusieurs arcs et pouvoir switcher entre les arcs, je sais pas. Par contre c'est super joli hein, par contre hein, faut être honnête hein. Bon y'a des mobs qui font, enfin y a des biomes qui font un peu laguer de ouf mais par contre c'est magnifique hein, honnêtement Ah ouais c'est incroyable hein cet endroit. C'est fou, regardez ces petits feuillages là, c'est fou. J'aimerais bien trouver des structures en fait, c'est ça le truc, j'aimerais bien me balader et trouver des structures moi. Parce que là c'est bien gentil, on se balade un petit peu mais j'aimerais bien trouver des nouvelles choses, des nouvelles structures, des nouveaux trucs intéressants.
Histoire, tu sais, au moins peut-être un nouveau village ou quelque chose comme ça pour pouvoir se poser éventuellement dans un village. On entend des petits oiseaux. C'est beau, mais oui, c'est beau, hein, franchement. Si c'est ça, c'est vraiment utile sur 20, bah ouais, on verra. De toute façon, on essaiera de se faire des arcs ou peut-être que ça se trouve, tu sais, peut-être éventuellement que ça fusionnera à les arcs, je sais pas du tout. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ces trucs là-bas là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh là! C'est une sorte de taureau, non? Par contre, ah ouais, non, mais pas. Ah ouais, non, mais par contre. Ah ouais, non, mais par contre, j'aime pas la speed 600 là qu'ils ont là. Non, ça me fait peur cette histoire là. J'ai pas envie d'y aller là. Non, j'ai pas envie d'y aller, les gars. Regarde la minimap des fois BG. Oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. Mais attends, mais là, il fait nuit là. En vrai, on va dormir. Hein. Là, il va vite quand même. Ouais, c'est bison, pardon, bison. Pardon, pardon, pardon. OMG, l'eau est magnifique. Non, mais je te jure, regardez-moi ça. Non, mais en vrai. Regardez-moi ça. Non, mais. En vrai, avec la musique un peu plus forte là. Regardez. Est-ce qu'on n'est pas trop bien là? Regardez-moi ça là. Cette petite soirée détente au bord d'un petit lac d'eau. Comme ça. Non mais tout est magnifique. Hein. Vous savez qu'à chaque fois que je joue à Minecraft avec un shader, à chaque fois j'ai la même réaction. Je me dis tout le temps mais c'est fou comment Minecraft sans shader maintenant c'est devenu... Enfin c'est pas devenu moche mais c'est plus la même chose quoi. Oh encore un petit peu de bois par ici. Il y avait des raccoons, ouais mais moi je peux pas tuer les raccoons en vrai. Comment tu te vantes de ta meuf là? Hey. T'as capté, hein? T'as capté, t'as capté. Est-ce qu'on a des petites structures là? Ah! 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 Une tour de pillager, ça? Non? On dirait une sorte de tour de pillager, mais non, mais c'est même pas une tour de pillager, c'est une nouvelle structure, ça? Par contre, là. Cet endroit, mon gars, il y a plein de. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est quoi ce truc? Hein? Il y a le lac de lave à côté, ça inspire pas confiance. Hein. Franchement, ça inspire pas vraiment confiance. Hein. Avec le lac de lave à côté, là, j'avoue. Une sorte de tour. Ok, y a rien de plus. Ouais, c'est une tour de gentil. Oh, des petites strawberries. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? D'ailleurs, vous savez quoi? Attendez, on va faire cuire le bacon. On va faire cuire notre bouffe qu'on a là. Le petit chaudron et tout, mais... Vous savez à quel point je suis tenté d'aller voir dans le nether ce que ça donne là, mais je vais me faire casser en deux direct. Hein. J'ai tellement envie d'y aller, mais bon. Merci Guild, mon amour, de faire une survie hardcore. Ah, ça va si vite que ça, entre nous, Webtoon? Ah ouais, carrément. Merci Tekumi Spectral. Spectral, c'est bien joli tout ça. Effectivement, ouais. Bonsoir à tout le monde, d'ailleurs, hein, ceux qui arrivent aussi. Pour le délire de l'interface Arc, ça vient du mode Better Archery. Il ajoute plusieurs types d'arcs. Ok. Merci, ok. Merci de la précision. Un petit peu de bacon, éventuellement. Vous voulez un petit peu de bacon, là? Mais attends, mais le bacon, ça nourrit que dalle. Deux de nourriture, ça nourrit rien, là. Les strawberries, ça nourrit plus, hein. Ça nourrit autant que du pain, les strawberries. Par contre, là, les gars, j'ai l'impression qu'il pleut tout le temps dans mon monde, vous trouvez pas? J'ai l'impression qu'il pleut vraiment tout le temps, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie, hein. Attends, le full diams, par contre, pour le nether, ouais, je me doute, hein. Oh mon dieu! Non, mais attendez, on va se barrer de là, hein. On va juste se casser d'ici. On va juste s'en aller. Voilà. Excusez-moi, mais. Board mission, hop, on s'en va de là. Adieu, petite tour. On t'a aimé. Il pleut tout le temps dans mon monde lorsque tu ne streams pas. Et oh non mais c'est aimé. Mais c'est tu t'entraînes ou quoi là? Tu t'entraînes à faire quoi là? Tu t'entraînes au niveau des disquettes sur mon chat là? C'est ça l'idée? Mais ça marche bien, tu vas passer VIP si tu continues comme ça. Hein. Si vous faites des disquettes comme ça, vous allez passer VIP. Hein. Je te jure. Hein. Bacon plus œuf égale bon petit déjeuner. Attends mais si ça se trouve en vrai, attends. Ah j'ai jeté le bacon, oh, si ça se trouve il y avait des choses à faire avec le bacon, ça se trouve hein. Si ça se trouve il y avait des trucs à faire avec. Et ouais j'ai été bête hein. J'aurais dû peut-être le garder hein. Bon les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais trouver une petite structure. Et ensuite une fois que j'aurai trouvé ma structure, enfin genre un village ou quelque chose comme ça, dès que j'aurai retrouvé un village, on se posera un petit peu au village et on commencera à voir un peu tout ce qui quête, etc. Par contre, vous pensez que du coup, le full diams est nécessaire? D'ailleurs, fais voir, est-ce que ça ajoute... Oh, j'allais dire, est-ce que ça ajoute des advancements? Oh, bah alors là. Moi qui voulais faire 100 jours avec des advancements. Bon, enfin, moi qui voulais faire tous les advancements du jeu.